ceci là, que tu as fait pour ma pointée là. Elle dit, non, il faut laisser ça. Et on a mis la soupe. Et on a mis la soupe. Je rendais le témoignage ce matin. Il faut donner offrande. Comme ça, tu vas manger. Some people will say, give. Tu vas guérir. So that you can be healed. D'accord. Le couvre, on dit, vous pouvez toucher. Really, mon Dieu est plus fort que les sorciers. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort. J'étais malade, je suis allé voir les marabouts. Yeah. Ils m'ont dit que y'a que si tu le veux. Ils m'ont dit que y'a. Je n'ai pas été guéri. C'est quand j'ai accepté Jésus, Jésus-Christ. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Acclamez Jésus, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quand quelqu'un est béni et délivré, il n'y a pas besoin de dire donne. Il n'y a pas besoin de crier. La personne qui a été vraiment visitée par le Seigneur, donne librement. On n'a pas besoin de courir après cette personne. Amen. Si les gens ne donnent pas, c'est qu'ils ne sont pas bénis. Ils ne sont pas bénis, il faut qu'on prie pour vous et que Dieu vous bénisse. Alors cette semaine est faite pour ça. Il faut que ta vie soit un témoignage. Il faut que dans ton quartier, qu'on sent qu'il y a un changement. Tes finances, ça va. Les choses ont commencé à aller à ton niveau. Tu n'es plus en train de mendier. Non. David, il était jeune, il est vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier. L'or et l'argent appartient à Dieu. On dit amen. Voilà, que le nom de Dieu soit glorifié. Je vais parler brièvement, je n'ai pas trop long. Que vous oriente. Le savoir-vivre, comment se prend spirituellement. Je vais aborder un thème qui est plus important. Qu'on appelle la prudence. Important topic, prudence. Amen. Alléluia. Quand on parle de prudence, on voit ça négatif. Or, c'est des qualités. But they are qualities. Hein? It is quality. Un homme prudent, il est très sage. Is really wise. Oui, il n'est pas bon. Non. Il est très bon. It's very good. La prudence, c'est une qualité. It's a quality. Donc, quand on parle de prudence, c'est pas négatif. When you talk about, c'est plus positif. Prudence, c'est quoi? What is prudence? Merci. Someone who pays attention. La prudence veut dire fait en. It means pay attention. Quand tu marches, faut être prudent parce que tu risques de tomber dans un trou de nuit. Faut être prudent. Hein. Comme il n'y a pas de lumière, faut être prudent. Tu peux avoir un serpent, il faut être prudent. Amen. Donc, c'est pas négatif. Mais on fait, j'aime bien cette expression, on fait attention pour ne pas rencontrer un danger. On fait attention pour ne pas qu'on se fracture le pied. On fait attention pour ne pas break telle chose, donc on est prudent. Amen. Donc, la prudence est beaucoup conseillée. Dans tous les domaines, même dans l'investissement. Dans l'investissement, on vous conseille la prudence, dans tout, même dans les relations. C'est pour ça que je vous parlais de la prudence chaque jour. C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas prudent, il finit par avoir les yeux pour pleurer. Don't cry one day. Pour ne pas pleurer, tu préfères être maintenant prudent. Parce que fait, je vous dis une chose, pour entreprendre, pour construire une affaire, pour monter une affaire, ça met du temps. Pour chuter, But the collapse is in the ce qui t'a pris pendant 10 ans construire une affaire, for ça peut être détruit en une heure du temps. Destroyed
Combien toute une journée? Parce que tu n'as pas été prudent. Because you haven't been. Parce que tu as envoyé quelqu'un qui ne parlait pas et qui a tout mis à l'air. C'est ça que la prudence est beaucoup conseillée. Pourquoi? Parce que la Bible, Jésus m'a dit, soyez prudent comme des serpents. Pourquoi les serpents? Like snakes. Or quand on parle des serpents, when you talk about a snake, le serpent il est mauvais, il est vrai. Snake is very bad. Or le serpent, vous voyez, il a des qualités. It has. Hein? Si tu l'as loupé là, il vient plus. Si il est baisé, c'est pas pour prendre un serpent. If you chase, c'est sorti ta vie là, pour le Dieu. The place, il never come back. Amen. Amen. Ah, serpent t'as loupé, il vient. C'est le type du village qui est venu. Sinon, ce vrai serpent, la naturelle, quand tu l'as loupé, il ne vient plus. Amen. Il ne vient plus. We'll never come back in the parce que j'ai dit, ah, je suis allé là-bas, est-ce que c'est ce qui est loupé? Donc, si je m'en vais, je m'en loupé, il ne va plus me louper. So, if I vous comprenez? Right there, donc, on est prudent pour ne pas connaître ce qu'on avait connu dans le passé. So, we are careful so that we cannot be in the same. On est prudent parce que, ah, j'ai marché avec une personne, il y avait une relation, ça n'a pas marché. Donc, celui avec qui je suis là, je commence à être prudent, n'est pas, est-ce que c'est vraiment lui dont j'ai fait beaucoup attention pour voir est-ce que, vous n'êtes pas que demain j'ai des yeux pour, hein? Donc, la prudence est conseillée à chaque fois. Carefulness is advice to all of us. Un homme qui n'est pas prudent ne va pas loin. Someone who is not careful. Un homme qui n'a pas ses qualités, la prudence. A man who does not have va toujours échouer. Carefulness. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance. Mais quand tu mets ton pied, you don't trust. Tu veux te rendre compte que c'est vraiment solide. Et celui ainsi qui m'appuie pour commencer mon entreprise, est-ce que c'est l'homme qu'il faut? Est-ce que la femme avec laquelle je vais m'associer, est-ce que c'est la femme qu'il faudra pour mon foyer? Est-ce que c'est le monsieur qu'il faut pour ma destinée? Et puis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à tester la personne. Start testing the man. Amen. The person. Quand tu commences à éprouver la personne, c'est pas parce que tu n'aimes pas la personne, mais c'est pour voir est-ce que c'est la personne idéale. Just to see if the person is the righteous one. Oh, c'est là les gens vont commencer à dire non, mais pourquoi tu doutes de moi? C'est là. People say that. Do not doubt. Pourquoi tu doutes de moi? Why are you doubting about me? Je ne doute pas. I'm not doubting. Mais je ne suis pas encore sûr. And I'm not sure. Que c'est la chose. I'm not sure yet. Est-ce que ma Dieu s'est dit? Tu ne m'as pas encore prouvé que c'est ça. Mais il ne m'a pas encore marqué. J'ai besoin d'un résultat. Et puis le résultat, je ne trouve pas ça encore. Donc je veux être sûr que c'est ça. Vous ne pas que demain, comme ils disent, ah, on t'avait déjà dit. Not to parent to not to love to people that hein? Have been informed. Amen. Amen. Là, c'est qu'est-ce que je l'aime. On dit qu'elle a embouté. On dit ça dit. Ça dit. Tu as bien regardé. Tu l'as regardé. Non, c'est que si j'ai prié, jeûné. Déjeuné. Pray and fast. Ça dit, tu vois une chaîne de ça. Son démon là, il peut chasser le démon. Can we chase the demon? Et le démon ne peut pas chasser. Tu ne peux même pas chasser. Le prophète ne peut même pas chasser. Amen. Donc, la prudence, carefulness, est conseillée dans tous les. Même en relation. Tu avec quelqu'un, il faut être convaincu. Que c'est lui. You're working with someone, you have to be convinced that it's that person. Si je suis le président, c'est quoi il m'a mangé chez lui, je suis convaincu que lui là, il va jamais mettre quelque chose dans la main, dans la nourriture. Je mange sans problème. This man will never put. Et mon avantage de lui, on dort ensemble. Je suis convaincu que c'est lui. Convinced. Parce que j'ai pris du temps d'étudier. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à me défendre. It's always ready. Sur cela. Quand tu marches avec quelqu'un, that's why when you're working with la seule chose que tu dois chercher, c'est de connaître la personne. For is to know that person. Connaître, ça veut dire quoi? Est-ce que la personne est de tout cœur? Is that person with you? Ce n'est pas de tout cœur avec toi. Quel est bien pour un intérêt? Ça, quel tout pas, c'est même qui se révolte contre toi. It will revolt against you. M'a bien saisi? Amen. Can you hear me? Amen. Amen. Tu es venu dans ma vie, c'est pourquoi. Why did you come into my life? Elle est belle, hein? Ça ne suffit pas. She's pretty. Il est beau, hein? Ça ne suffit pas. It's poor. C'est une question de destinée. And so, it's not enough. It's the matter of destiny. Tu es venu dans ma vie, c'est pour ma destinée. My life is for my destiny. Me conduire quelque part, ou bien on ira ensemble quelque part, parce que la Bible dit que deux valent mieux que un.
Amen. Lorsqu'on commence à étudier, tester la personne. So you have to test the person. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas le savoir. Quand tu vas commencer à faire des tests, tu vas comprendre que la personne t'aime pas assez. Donc quand quelqu'un commence, quand une personne t'aime beaucoup, elle sera patiente. N'est-ce pas? L'amour crée la patience. Love creates patience. C'est ce qu'il a dit le moment. That's why vous découvrez cette qualité dans les mères. Mothers, you have this quality. Elle voit les défauts d'un enfant, mais elle est convaincue qu'il va changer demain. C'est le papa qui est pressé. Qualities. Toujours tu. C'est toi qui défends l'enfant. La mère is always in the hurry. Elle est toujours patiente. But the mother is really patient. Celui qui doit t'accompagner dans une destinée, les qualités que tu dois avoir en cette personne, c'est la patience. And being the devil. Pourquoi? Parce que la personne croit en toi. Because the person believes. Elle sait que ça va aller. Même si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira demain. Right. Si vous ne découvrez pas ça dans vos tests que vous êtes en train de faire, éloignez-vous de cette personne. Go far from that person. On va bien l'écouter. Amen. Est-ce qu'on me sérieux? On est que le niveau de l'enseignement est plus difficile que vous. Amen. Je veux qu'il soit meilleur. Quelqu'un ne peut pas mélanger ce que vous avez acquis pendant des années. I don't want anybody to des souffrances. Quelqu'un qui a dit ça. C'est passé des gâtés, hein? Or, une personne qui n'est pas patiente, elle ne t'aidera jamais. If a person is not patient, or, une personne qui t'aime, elle sera patiente. Une personne qui t'aime viendra te donner des conseils pour te rassurer, pour t'encourager. Advice, si tu ne reçois pas ça de cette personne, if you don't receive it, c'est pas person, elle. It's not her. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Reprenons Proverbe. Proverbe chapitre 11, verset 14. Chapter 11. Verse 14. Amen. Proverbe 11, verset 14. Proverbe. Hey, mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu doutes de moi? Pourquoi tu veux que je doute de toi? Tu m'as fait quoi? Puis tu veux que je doute de toi? Tu vois la vie, on se lève matin pour courage. On dit quand la prudence fait défaut. Quand il n'y a plus de prudence, quand tu n'as plus de prudence dans ta vie, dans ce que tu envoies les francs, avec quand tu as assis, tu veux monter une société, il faut être prudent. Est-ce que tous ceux à qui m'entourent, est-ce qu'ils ne sont pas là pour. Est-ce que c'est vraiment des personnes qui devaient associer pour monter ça? On dit quand la prudence fait défaut, quand ce n'est pas là, there is no guidance. Le peuple tombe. Est-ce que tu as bien saisi? Amen. Quand la prudence fait défaut dans une relation, no, ça va chuter. Parce qu'on n'a pas bien réfléchi, on s'est engagé comme ça dedans. Quand la prudence fait défaut, quand il n'y a plus de prudence, no guidance, c'est la chute. Amen. Oh. Il y a un pont en bois. Quand je marche sur le pont, je dois être convaincu que ça ne doit pas me faire chuter. Non, je dois traverser. Mais il faut que je sois convaincu que c'est solide. Je dois être convaincu que c'est solide. This bridge is. Oh, si je passe dans ma tête, que je viens passer la chute, so, je suis tombé. C'est moi-même qui ai provoqué la chose. I've been the one who have progressed. C'est ce que Dieu a donné à l'homme sur le cerveau. Cette what capacité de réflexion, on a besoin de réfléchir avant d'agir. Oui, allons-y. Think before acting. Celui qui cautionne est le salut. Est dans le grand nombre de conseillers. But amen. C'est vrai que par moment, il faut chercher à avoir des conseillers dans tous les domaines. Amen. Il faut être convaincu que you have to be convinced. Je suis sûr sure que ce que je suis en train de faire là, je suis convaincu que ça ne pourra pas m'emporter. J'ai d'abord réfléchi avant de m'engager before dans une relation. C'est bon au départ, mais après ça, quand on veut chercher de se mettre ensemble. On réfléchit pour dire, mais est-ce que c'était vraiment. Est-ce que demain, si je me mets avec cette personne, elle ne pourra pas me tromper? So time, ask yourself, if I stay with that person, amen. What could happen to elle va te démontrer ça dans son comportement et toi, c'est vice versa. Elle va se montrer ça dans les vice versa. Sinon, ce que vous faites dans vos relations maintenant, c'est ce que c'est le produit demain dans le foyer. Will be in your house tomorrow. Vous n'êtes pas demain encaisser des choses. On not préfère maintenant dire merde à cette relation. It's better. Amen. Yeah. Donc on prend le temps d'étudier. So we have to take time. Alléluia. To study the person who stay with. J'ai toujours dit, ces deux personnes, two persons, de différentes éducations, of different se mettent ensemble.
stayed together. On n'a pas été éduqués par la même mère, ni le même père. On n'a pas été éduqués dans la même maison. On a reçu des éducations. C'est vrai qu'on sait. We received different educations. Mais la chose qui fait le plus mal au monde, qui connaît ça? Qui connaît? Much in the world. Qui connaît? Merci. Et la trahison vient de quoi? Betrayal comes from. He betrayed me. Et ça devient une maladie. And a betrayal can become. Quand vous voyez une personne qui s'est une fois mariée puis la personne a divorcé, la maladie qui est dans le cœur de cette personne, on appelle ça quoi? La déception. N'est-ce pas? C'est la plus grande des maladies. And even deception. Vous savez ça? Parce que la personne ne croit même pas la femme. Because the person can never. Il trouve la femme sur le psychologue. Chez nous, ça nous dit rien. Mais les blancs, ils ont les white psychologues. People, quand tu as une fois eu un mariage qui n'a pas marché, on t'amène chez un psychologue. Wording, parce que ça laisse des traces. It no work in the past. Ça laisse des traces dans le cœur. Tu es marqué à vie. Il y a des choses qui te marquent à vie. Because you can have. Seul Dieu peut t'annuler ça. C'est pour ça qu'avant de t'engager quelque part, before, il faut être sûr que tu ne seras pas you have to be sure that trahi. You won't be betrayed. Est-ce que monsieur un peu? Amen. 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 Parce que le seul problème the only problem qui va t'arriver au monde, c'est que tu as fait confiance sans le savoir. Or, la personne qui t'a fait confiance, elle mérite vraiment cette confiance. Or, c'est la même personne là, cette personne là qui est mieux placée pour te nuire. Parce que tu vas te confier à cette confiance là, c'est-à-dire tu te confies à cette personne qu'il ne fallait pas. Or, ayant tous tes secrets, elle te met à l'eau. Your enemies. Elle te connaît. Elle te nuit. Knows you. C'est là la sorcellerie. He knows your secrets. C'est là la sorcellerie. Here is witchcraft. Tu allais te confier à la personne qui ne fallait pas. You talk to the one. C'est là les sorciers parlent beaucoup. Shouldn't too. C'est pour ça qu'ils sont hypocrites. Ils ont une apparence pas possible. They sometimes are. Ils peuvent se coucher, tu peux marcher sur lui. Sorcier. They can even. Tu connais sorcier? Lay down so that you can work on them. Non, je ne crois pas que c'est lui. Oui, c'est comme ça. Non. Il faut toujours sonder. Il faut toujours éprouver des choses. Il faut toujours voir. Est-ce que, pour ne pas être surpris demain. Parce qu'en réalité, quand tu es avec quelqu'un, tu dois faire confiance à cette personne. Really? Sinon, vous ne devez pas ensemble. C'est ça que quand tu es avec une femme. That's why when you dans la maison, il faut lui donner ton argent. Ton mari ne te donne pas, il est possédé, c'est ça. If your husband doesn't do it, I say. Hein? Si ton mari, if your husband, madame, does not keep, tiens l'argent, does not give you your money to keep. Et puis pendant qu'il compte l'argent, il tourne dos. And while counting the money, he turns back. C'est un sorcier. Ah! Hein? Vous n'avez pas bien saisi? Amen. Hein? Amen. Oui, c'est les sorciers. Mais quand quelqu'un ne te fait plus confiance, elle ne peut pas devenir bonne. Parce que dans une relation, on ne doit plus cacher quelque chose. Ah, là, c'est ce que vous ne savez pas. Quand quelqu'un te cache l'argent, tu dis la personne, tu penses que c'est ta femme, elle te cache l'argent, c'est qu'elle te cache beaucoup de choses. Elle te cache too many things. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Je cherche à connaître l'homme. Or, quand la personne commence à s'ouvrir à toi, elle tout. It's mine to you. On m'a bien compris? Amen. Amen. Marche avec les personnes qui vous font confiance. You have to work with persons who trust you. Amen. Amen. Ou les personnes qui méritent votre confiance. The person who deserves. Vous les avez trouvées, vous savez que c'est ça. Or, si la personne ne mérite pas ta confiance, elle finira par te détruire. The trust, this person can destroy you. Amen. Amen. Si je marche avec un ami, je dois le premier à le défendre parce que je sais qu'il n'est pas comme ça. And be the first one to parce que tu verras les gens venir parler pour dire qu'il est comme ça. Or toi tu le connais, tu es le premier à le défendre. You are the first one to defend him. On va bien saisir. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que si la prudence fait défaut, le peuple tombera. Si la prudence fait défaut, si tu t'engages sans prudence, tu finiras par tomber un jour. Amen. Amen. Mais avant de t'engager, c'est que tu admets beaucoup de choses. Tu as compris. Et puis tu t'engages. On ne va pas y aller délivrer, d'envoyer. You don't have to say that. Tu n'as pas un ministère de délivrance. Je suis désolé. I have to go and deliver. Because pas tout le monde qui est délivré. Not everybody can. Non, parce que regarde là. Quand j'ai venu faire jeûne 3 jours sec. Tu vas mourir d'anémie. I'll fast for 3 days. Ton sang va finir dans ton corps.
to die for an, from anemia. Parce que ce démon ne va pas partir. Elle est possédée. Amen. 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 Or, le, la chose qui blesse, qui fait mal plus que l'âme, c'est la trahison. Betrayal. Pourquoi? Parce que tu as fait confiance. Et puis tu te rends compte que. Very bad. Because you, you, c'est ce qu'il m'a fait. You trust to someone. Tu es marqué à vie. And this is for a lot. Même ton travail c'est gâte. Tu vas travailler, tu, tu penses. Ou bien? Always thinking. Ah, je veux dire la vérité. Tout se dégrade. Tout. Everything comes down. La trahison envoie tout. Tout se dégrade. Tu n'es plus à l'aise. C'est pour ça que les blancs, ils ont des psychologues. That's why white people have. Tu penses seulement. Tu vois, tu parles. Tu peux parler dans la rue. Tu deviens folle. Allez, le monsieur là quoi là? Il va pour le poète. Tu mets pas là. Tu mets ça macho. Tu deviens fou. Tu deviens mad. Mais tu m'as pas dans le mais tu es fou. You are mad. On te surprend, tu pleures, tu parles. Surprising, we can even surprise you and you're speaking low. Au départ, que ça nous arrive un jour. This must not happen to us one day. Ce sera que quand nous posons un acte, quand nous posons des pas, we act, il faut bien réfléchir. We have to think enough. Est-ce que la personne qui vient vivre chez moi, is the person who elle mérite de venir vivre chez moi, deserve it to come and live with me? Point d'interrogation. Question mark. Vous m'avez bien saisi? Did you catch me? Est-ce que la personne, mon neveu, ou ma tante, la personne qui, est-ce qu'elle peut elle mérite de venir vivre. Okay. Sinon, c'est la personne qui va te livrer. On a fait confiance aux gens qui nous ont trahis. Too many people betrayed us. Et regardez en matière de politique. Look at simply in politics. En matière d'affaires, business. C'est les vrais amis à qui on se confie qui ont toujours trahi les gens. Yes. Regardez, regardez, ceux qui sont des regardez autour de vous. Betrayed, used to betray. Et puis vous avez comme ça, vous êtes étonné. And always you are astonished. You always surprised. Ça là, ça peut tuer un petit feu, tu meurs. C'est pour ça que la Bible dit, si la prudence fait défaut, il peut where there is no guidance, the nation falls. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Moi, je suis là pour vous donner le conseil. I'm here to give you advice. Amen. C'est vrai, on dit d'aimer. It's true that we have to. Mais ça n'exclut pas la prudence. But we cannot. Pourquoi? Clear. On n'est pas trahi. Carefulness, not to be betrayed. La confiance, puis n'est pas trahi. Trust, amen. And not to be betrayed. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Nous allons nous tenir de vous prier. Stand up and pray. On dit amen. We say amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On est content, rien, c'est qui t'as ça? T'as 15 ans. Are you 15 years old? Ça fait quoi? What did he do? Well, I wanted. I was about to kill my mother. No, avant de tuer ta maman, c'est de tuer. I gave her sickness. Qui t'a donné ce sujet? Who gave you? Hein? Comment t'as donné la société? She gave me. Mais puis que s'est passé? What happened? In my dreams, I started fleeing. Tu as son crédit. So you owe her. Quand tu as mangé la viande, tu as donné qui? Quand tu me regardes, là, je suis un plaisantin. Amen. Et tu hein? Non. Le jour où on te donne viande que tu as mangé, c'est que tu dois donner. Oui, c'est le jour que vous voulez donner ma maman. Va t'asseoir, va t'asseoir. Ici, on ne force pas les gens. We're not forcing people here. Si vous voyez quelqu'un qui est sorcier, if you say, c'est qu'il a déjà tué. Someone who says is a witch or a sorcerer, it means he has already killed. On a fait une expérience ici. We had an experience. La fille qui était en Suède, on n'a rien dit, hein. Madame, la fille petite, elle parle from chinois, elle parle pas bien français. Comment t'as eu la sorcellerie? Elle dit, c'est ma camarade libanaise qui m'a donné. Ok. Elle t'a donné, oui. Tu as fait quoi? Quand elle m'a donné là, what she gave me, je suis allé manger mon voisin. I went to kill my neighbor. Il t'a tué combien 8 personnes. How many people did you kill? Après, on m'a dit de tuer papa.
And after we Il tente des répressions, je maigrissais pour attraper papa. So le moyen sur sa rachide. Ils m'ont attrapé. And they caught me. On dit, vous voyez, c'est une fille qui veut changer. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça, ça se passe. She wants to Moi, là, je ne parle plus à votre place pour dire non. Si tu ne veux pas parler, allez te If you don't want to talk, okay, go and sit down. Qui veut être délivré ce matin? Who would like to be delivered this morning? C'est qui? Who are you? Hein? It's my nephew. C'est toi qui... A bouffé sa maman. Elle sort ce grain là. Non, non. C'est toi qui as mangé maman et son grain. I ate my mother way, bro. Hein? I'm not oui. Sub. T'as mangé ta maman? Oui. Et son grain? Oui. T'as mangé quel morceau? Which part? Hein? Ton bras. Ton bras. Her hand. T'as tué combien de personnes? How many people did you kill? Qui est qui? Who is that? Qui maman et qui? My mother? Hein? Maman et puis notre voisin. Oui. My mother. Les voisins sont venus par ici. T'as mangé le voisin? So you killed the neighbor. Mais un voisin qui boit couteau pour son, mais il va pas le vivre. Comment pas le manger? The neighbor drinking always alcohol. On vous mange? Vous êtes mangeable? Il y a l'église. Dans le quartier. We have the church. Toi, c'est Belair, tu bois. Who is drinking alcohol? Who is drinking alcohol? Can be drink. Can be killed by. Tu vas pas l'église sociale te manger? If you don't go to church, tu l'as mangé. So you killed him. C'est la voisine le voisin. La voisine. La voisine. The neighbor, she's a woman. Comment tu t'as arrangé pour aller manger la voisine? But how did you manage? Hey. Oh, tu es ici. Il a dit à ses enfants, je vais donner la photo de la maman. Comment? Il a dit à les enfants de la femme, je vais donner la photo de la maman. I told to mm-hmm. my children to give. Il a donné. Et comment ils ont donné la photo de la maman? One of the pictures. Tu as dit donner la photo de maman. One of the pictures. Les pictures, ils ont donné. Oui. Ils ont pas dit ça amusement, hein. Oh, le monsieur, c'est ce qu'il tentait de faire. C'est sûr. Et puis ils ont donné la photo. And they give et puis tu as fait quoi? The picture. And what did you do? Ah, tu as regardé la photo. And I said tu peux sonner sur la photo. Ok. C'est que tu as dit, il a dit. J'ai dit, tu vas souffrir. Tu vas tomber malade. Tu vas mourir. Et puis. And what after? You're going to suffer. Et c'est ce qui est arrivé à la femme. Oui. Donc elle est tombée malade. So she became... Puis elle est morte. Oui. Et tu l'as mangé. Oui. Vous avez compris? Souvent le problème même c'est le voisin qui te crée. Et tu l'as mangé. Oui. Bon, oui, elle, la voisine, tu as mangé quelle partie? Which part did you eat? Tu es malade ou bien? Ta viande, tu manges pied. Et je t'ai dit, c'est la tête et le cœur que tu manges. Tu as mangé la voisine? Hein? Oui. Vous êtes combien dans la confrérie? How many are you? Vos sociétés, vous êtes 6 personnes. 6 persons in our family. Donc quand tu as mangé la tête et le cœur. So when you quand tu t'attrapes bien, c'est la tête et le cœur que tu manges. When it's your own meat, et tu l'as mangé. And it's hard. Ah, vas-y. Eh, donnez la photo de votre maman. Tu t'envoies. C'est un enfant. Voilà, hey, l'enfant sait ce qu'ils ont dit. Il parle. Il y a un petit palu, tu vois, c'est palu. Oh, c'est la mort qui est en train d'appeler. C'est ça? Oui. Et vous ne voulez pas que nous on attaque les sorciers? Qu'est-ce qu'ils vous ont? Regardez comment les sorciers captent la vie des gens. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? And you don't want us to talk about it. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Vous ne voulez pas qu'on parle de ça dans la nation? Il faut qu'on dévoile aux gens qui sont mauvais, que les gens ont ça autour d'eux, ils ont ça. Et puis t'as fait quoi? And what did you do? J'ai gâté la vie de mon frère. Comment tu as gâté? Destroyed my brother's life. J'ai gâté son concours. Son concours? Tu as fait comment? J'ai dit des
parole. I said some word on his life. Il a passé beaucoup. So that he cannot succeed. And passing in degree. Ah, donc tu travailles beaucoup à la parole. Tu dis, bon, ok, le concours tu vas passer là, faut pas réussir là-bas, n'est-ce pas? Oui. Et puis, ça n'a pas marché. Oui. And he failed. Et puis, tu as fait quoi? Et puis, il a gardé. Il jouait un jeu vidéo. Son... Non. Il y a trop d'écho, je me dis. Quoi? Tu as fait quoi? Il jouait un jeu vidéo. Hein? Tu as fait quoi? Il joue un jeu vidéo. Ton frère, tu as fait quoi? Il dit, mon frère, il joue un jeu vidéo. Ah oui, bravo. Il a fait quoi son jeu vidéo? Video game. Ah, tu as gâté ça? Oui. Le jeu vidéo. Comment tu as fait? Video game, une autre fois. Il est venu. Il a dit. And I said, when I came. Tu as dit quoi? Il a dit, il ne faut pas ton jeu vidéo va marcher. Qui j'ai gâté? It was a trade. Et c'est gâté. Oui. Il t'a fait quoi encore? I gave a sickness to my grandmother. Son corps lui fait mal. Well, her body hurts her. Tu as fait quoi encore? What else did you do? Tu peux laisser la sorcellerie. Oui. Tu as fait quoi encore? Viens ici. Stop. Mais c'est quoi? Pourquoi? I want to stop practicing witchcraft. Why? Comment tu fais pour la sorcellerie? How do you manage to practice? Tu fais comment? How do you do? Come on! I'm coming! Fire! I command! Fire! 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 Nom de Jésus! In Jesus' name! Fire! Fire! Lâche! Release! Je maudis la présence de la sorcellerie of witchcraft dans ce corps, in this body, au nom de Jésus. In Jesus' name. 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 Lâche-le. Release him. Lâche-le. J'explique. Comme ceux qui le savent bien, qui nous suivent. Those who follow us. Les aveux ne délivrent jamais un sorcier de la sorcellerie. Cannot deliver sorcerers from witchcraft. Vous voyez un sorcier parler, ça veut dire qu'il est possédé. If you see a spirit on you, il fait de lui sorcier. It's possessed. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Possession. Après les aveux, after confessions, pour ceux qui aiment bien la délivrance, those who like soyez à mesure de chasser le démon. You have to be able to chase si le démon là, il ne sort pas du corps, if the devil does not come out, il demeure encore sorcier, stays, malgré les aveux. C'est pour ça que vous allez remarquer bien dans les villages, le monsieur ou à la maison, il a parlé, mais il n'a jamais été délivré. Can speak, but they cannot parce qu'on n'a jamais chassé son démon. Because they never have chased the devil. Or là, le démon est en train de se manifester. The devil is demonstrating here. Une fois qu'il quitte le corps, c'est fini. If it leaves, the body is forever. La puissance de Jésus-Christ, the power of Jesus Christ, te délivre. Delivers you. Jésus, Jesus, te libère. Delivers you. La puissance de Dieu, the power of God, te libère. Delivers you. La puissance de Dieu, te libère. The power of God, delivers you. Au nom de Jésus, Jesus' name. Reçois. Receive la délivrance. The deliverance. Come on, I'm coming. Le feu, fire. Je maudis ta présence. I curse your presence. Dans ce corps. In this body. Va-t'en. Go. Va. Go. Va-t'en, nom de Jésus. Go in Jesus' name. Quitte ce corps. Leave this body. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Va. In Jesus' name. Et quitte ce corps. Leave this body. Maintenant même. Right now. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Lâche-le. Release him. Lâche-le. Release him. Je maudis ta présence. I curse your presence. Dans ce corps. In this body. Va-t'en. Go. Va. Go. Va. Go. Va-t'en. Go. Au nom de Jésus. In Jesus' name.
au nom de Jésus. In Jesus' name. Va, go. Va-t'en, go. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Lâche-le. Release him. Lâche-le. Release. Lâche-le. Release him. Lâche-le. Release him. Lâche-le. Release him. Lâche-le. Release him. Va-t'en. Go. Au nom de Jésus. In Jesus' name. J'explique comment se passe la possession. Quand quelqu'un possédé, ça veut dire quoi? How can the person possess? Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui vit en toi. You have the impression that someone. Toi-même, tu es convaincu. You convinced? Que il y a quelque chose, une force en toi. That's very. Que tu n'arrives pas à maîtriser. That you cannot master. Souvent, il y a des gens qui disent non, il y a deux voix. Il y a une parole qui dit non, fais. There is a word we can say. Et puis il y a d'autres qui disent faut pas faire. Don't do it. Et puis ça lutte. And the two voices strive. Qu'on ne peut plus maîtriser. If we cannot master cette force négative, this negative strength, c'est qu'on a un démon, it means we have a devil in our body. Amen. Qu'on n'a plus la maîtrise. We don't, if we don't c'est maîtriser face à un danger, face à un péché ou face à quelque chose. Sin, a danger, c'est que c'est un démon. It means it is the devil. Commande notre volonté. Commanding our thoughts. Tu es là, tu as envie de voler. If you want to steal, quelque chose te dit prends. And something say, et puis, take it. Tu prends. And you take it. C'est-à-dire que ce n'est plus toi. It's not il y a une force en toi. There is an qui te domine. Qui t'empêche même de te maîtriser. Et quand t'attrapes ta honte, automatiquement tu es convaincu que si on t'attrape, c'est prison. You are convinced that if you are caught, you'll be in jail. Tu cherches mari des gens. You're looking for. Tu sais que c'est pas bon. For people's husbands. Ici, à toi t'attraper. It's not good. Son talon a blessé ta tête et ça. Mais tu fais. That you do it. Le jeu t'attrape, t'es griffé, mord ton nez et puis enlever tes oreilles. Ça veut dire qu'il y a un démon. Amen. Amen. Oh, quand on sait que ce n'est pas bon, qu'on le fait, ça veut dire qu'il y a un démon en nous. It is. It means that it is, we have a devil. Lâche là, je sens un démon là. Come! I comment! Come! I comment! Come! I comment! Come! I comment! Je mets feu à ton oreille dans sa fire vie. On your rain. Je mets feu à ton oreille. Stop to your rain. Ton pouvoir prend fin. Your power is tu m'attends? Ton règne prend fin. Your rain stops. Mais les commandos venez. La on the bar of shy on the Jesus. La puissance de Dieu. Je touche. Jésus vous touche. Jésus vous touche. Jésus vous délivre maintenant. Sa puissance vous touche. Sa puissance vous touche. La main de Jésus vous touche. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Allez, va. Va-t'en. Lâche-la. Lâche-la.
va libérer sa vie. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu quittes sa vie et mets-le en main. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Va-t'en. Va. Va. Allez. Allez. Lâche-la. Tu la libères au nom de Jésus. Tu libères sa vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La main de Jésus. Jésus te touche. 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 Parce que Jésus l'a délivré. Va-t'en! Fais sur toi les feux! Fire! Comment aller? Fire! Allez, lâche-la! Release it. Tu vas partir! Are you gonna leave? Tu vas partir! Et libérer sa vie! Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau! Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ! Je proclame vaincu ton règne! Vaincu! Tu vas partir! Are you gonna leave? Tu vas partir. Are you gonna leave? Tu vas partir. Are you gonna leave? Tu vas la lâcher. Release her. C'est un ordre. It's an order. C'est un ordre. It's an order. Elle est folle. Oui. Oui. J'ai mis des choses dans ma main. J'ai fait ça. Elle est folle, c'est ça? Oui. Tiens, tu vas voir. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que cette petite fille, elle a beaucoup de chance. Elle a beaucoup de chance. Oui. Donc tu n'as pas gâché, tu n'aimes pas ça. Elle s'est mariée à un blanc. Oui. Je ne pas elle doit prendre un peu de l'argent. Oui. Elle passe par nous. Donc tu n'es pas d'accord. Elle nous, oui. Elle nous est dans la misère. Mais ce que je vais faire, je tire son premier fils. Oui. C'est pour ça qu'elle s'est fâchée contre moi. Mm-hmm. Elle a raison. Elle a beaucoup raison. Mm-hmm. Mais je ne suis pas. J'ai fait la sorcellerie avec une autre personne. Mm-hmm. Toi, tu es qui? Où es-tu? Moi. J'ai trop honte. Non, Dédi. Qui es-tu? Non, j'ai honte, Dédi. Si, dis. Si elle dit. Who are you? Si elle dit cette. Qui? Fais! Je suis dragon. Le dragon de ma grand-mère. Et ta grand-mère, comment s'appelle? What's her mother? Comment s'appelle la grand-mère? Mother's name? Comment s'appelle? Antoine. Antoine. Elle a tué sa maman. Elle a tué la maman de la petite. Elle a tué la maman de la petite. Oui, elle a tué maman. Sa maman. Elle a tué.
Donc c'est toi qui es dans son ventre là. C'est moi. Ouais. C'est moi, Jérémy. Oui, j'ai mis dragon, un gros piton. Un gros piton dans son ventre. Dans son ventre. Elle va toujours à l'hôpital. Elle va toujours à devenir fort. Comment la puissance de Jésus. Maintenant même, Jésus, Jésus te libère. Jesus release. Maintenant même. Right now. Sa puissance. His power. Sa puissance. His power. Te libère. Release. Sa puissance. His power. Te libère. Release. Sa puissance. His power. Sa puissance. His power. La puissance de Jésus. The power of la puissance de Jésus. The power of Jesus. Deliver. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jesus. Come on. I come in. Jésus. Te délivre. Deliver. Jésus te délivre. Jesus Jésus te délivre. Jesus delivers you. Vous libérez sa vie. Release your life. Vous libérez sa vie. Release your life. Tu vas partir. Va-t'en. You do. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Fire. Fire. Come on. Hey, come on. Hey, fire. Hey, fire. 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 Va la maladie. Go with va. This. Avec la misère. Va. Misery. Allez, va-t'en. Va-t'en, allez. Go. Va. Go. Va avec la maladie. Go with va avec la folie. Go with va avec la misère. Go with au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, va-t'en. Oh la Dans ce cas, la puissance de Dieu, 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 détruit tes œuvres dans ce cas. Allez, go, lâchez sa vie, let his life, au nom de Jésus, in Jesus' name, command, I command, fire, lâchez sa vie, release your life, lâchez sa vie. Release your life. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Lâchez sa vie. Mettez la main sur la tête. Your hands. La puissance te touche. It's power that touches you. Come on. Come on. Come on. La puissance de Jésus. The power of Jesus. L'esprit de la sorcellerie. Spirit of witchcraft. L'esprit de la sorcellerie. Spirit of witchcraft. Puissance des ténèbres. Power of darkness. Jésus te touche. Come on. Jesus touches you. Come on. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Pendant que ta main est posée à ta tête, j'ai sens une action de l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Et j'ai détruit la semence de Dieu, du diable dans ta vie. Là où tu es arrêté, j'ai détruit cette présence. Là où tu arrêtais, j'ai détruit cette présence. Je commande aux esprits. Je commande aux esprits. De lâcher ta vie. Les démons te lâchent. Les démons te lâchent. Je commande. Et je brise les chaînes de la captivité. Je brise les chaînes de la captivité. Au nom de Jésus, je prononce. Je déclare que tu es libéré maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. In Jesus name. Le feu! Fire! 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 Jésus te touche. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te libère.
Recevez la délivrance maintenant. La puissance de Dieu. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Jésus te libère. Jésus te libère. Reçois le feu. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Allez. Quittez ta vie au nom de Jésus. Déloge tout esprit contraire à la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus. Reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus. Je brise toutes les chaînes de la servitude. Les chaînes de toute cette prison dans laquelle tu te retrouves au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus. Mets la main sur la tête. Puis mets la main sur la tête. Oui, pendant que tes mains sont sur la tête, la puissance de Dieu vient te libérer de cette maladie. La puissance de Dieu vient te sortir de cette situation. Allez! Allez! Pas! Je chasse la maladie au nom de Jésus. Je chasse les blocages de ta vie au nom de Jésus. Oui, cet envoûtement dont tu es victime, je le déloge maintenant de ta vie au nom de Jésus. Allez! Pas!